Bah, 17 mai, c'est un jour important parce que aujourd'hui, moi, je ne penserais pas tellement à notre pays, parce que dans notre pays, on a quand même un peu plus de chance que les autres, parce qu'on a des lois contre les discriminations, parce qu'on a des lois pour l'égalité, même si elle n'est pas encore totale. En tout cas, on a le mariage, notamment pour les conjoints de même sexe. Mais par contre, dans plus de 70 pays dans le monde, les gens sont discriminés, sont parfois tués parce qu'ils sont homosexuels. Et je pense qu'aujourd'hui, en ce 17 mai, c'est à eux qu'on doit penser. C'est d'ailleurs tout le sens du prix qui a lieu à Paris et que va remettre la maire de Paris, parce qu'il faut honorer toutes ces femmes et tous ces hommes qui se battent pour les droits des gays, pour les droits des lesbiennes, pour les gays, les droits des trans, des bi. Voilà. Et je pense que cette journée, elle doit leur être dédiée. En tout cas, Paris a décidé de leur dédier. Et tous ensemble, aujourd'hui, bah, tout notre cœur, il est avec ces femmes et ces hommes qui vivent dans tous ces pays. Moi, je vais souvent en Tunisie, où la situation est catastrophique. Des pays dont on parle peu, comme le Sénégal, qui étaient des pays où il y avait plein de libertés avant. Et aujourd'hui, les homosexuels sont obligés de se cacher, sont martyrisés. Et puis voilà, tous ces pays qui tuent des homosexuels. Voilà, on est en 2018 et c'est important que Paris, en tout cas moi je suis très fier que la ville dans laquelle je vis, la ville que j'aime, honore ceux qui se battent pour que demain la dépénalisation universelle de l'homosexualité arrive enfin.